Salut à tous, vous voulez savoir comment va se dérouler le vote pour décider du rythme de l'enfant? C'est parti! Tout d'abord, est-ce que tout le monde peut voter? Non, il y a trois catégories de votants. Tout d'abord, il y a les professionnels, c'est-à-dire les enseignants, les animateurs, les ATSEM et l'éducateur sportif. Deuxièmement, il y a les élus et présidents d'associations. Et pour finir, il y a les familles. D'accord, mais alors quelles familles peuvent voter? Tu peux voter si tu as au moins un enfant en crèche, ou un enfant qui est scolarisé en primaire, ou bien qui bénéficie des accueils périscolaires et extrascolaires. Tu peux également voter si tu as un enfant né ou à naître en liste d'attente pour une place à la crèche. Ok, je suis concernée. Comment je fais pour voter? Pour commencer, rends-toi sur la plateforme citoyenne via le site de la mairie. Si tu n'as pas de compte, crée-en un, ça prend 2 minutes. Avec la chance que j'ai, le mail de confirmation va tomber dans la boîte spam. Il faudra vraiment que je pense à vérifier. Ensuite, rends-toi sur l'onglet concertation et clique sur le questionnaire de gauche. Pour cette prochaine étape, renseigne ton numéro de famille. Tu peux trouver ce numéro sur l'espace citoyen ou bien sur une facture liée aux différents services de l'enfance. Il existe 4 propositions. Tu trouveras le détail de celle-ci sur le site internet de la ville dans l'onglet banque de ressources. Tu devras alors classer ces 4 propositions par ordre de préférence. Pour finir, tu devras valider tes choix. Cela me paraît bien clair. Jusqu'à quand je peux voter? Tu peux voter jusqu'au dimanche 16 mai, 23h59. D'accord. Maintenant, j'aimerais savoir comment sont comptabilisés les résultats. Comme je te l'ai dit au début, il y a donc 3 catégories de personnes votantes. Les professionnels compteront donc pour 60%, les élus et présidents d'associations compteront pour 40%, et les familles, pour 100% bien sûr. Pour commencer, on va déterminer un rythme d'enseignement à 4 jours ou bien à 4 jours et demi par semaine. La moyenne des points pour les hypothèses à 4 jours sera comparée au nombre de points de l'hypothèse à 4 jours et demi. Si je comprends bien, l'hypothèse à 4 jours et demi a autant d'importance que les 3 autres. C'est ça. S'il y a plus de points pour la proposition C, alors le choix du rythme d'enseignement sera arrêté à 4 jours et demi par semaine. D'accord, que se passe-t-il dans le cas contraire? Si la moyenne des propositions ABD est supérieure au nombre de points de la proposition C, alors le rythme de l'enseignement est déterminé à 4 jours par semaine. Si c'est 4 jours, comment sont déterminés les horaires des écoles? Tout simplement en comparant le nombre de points obtenus par les propositions A, B et D. Tu l'auras bien compris, le choix des horaires sera arrêté par la proposition qui aura le plus de points. C'est très clair pour moi. Maintenant, j'aimerais savoir quand les résultats seront communiqués. La semaine du 17 au 23 mai. Merci de nous avoir suivis et maintenant, c'est à vous de voter.